Bienvenue pour cette vidéo Clean PC. Nous allons voir dans cette vidéo la réparation d'une carte mère dite HS hors service d'un ordinateur qui ne démarre plus. Donc en premier lieu, on va démarrer l'ordinateur. Et là, lors du démarrage de l'ordinateur, on se rend compte qu'il n'y a rien, pas de bip, pas de message. On n'accède pas au BIOS, c'est-à-dire au menu à l'affichage usine de l'ordinateur. D'accord, donc on éteint. On coupe l'électricité et on va commencer à inspecter donc une carte mère qui paraît complètement saine. On va regarder de plus près les condensateurs. On peut voir que ces condensateurs-là sont normaux, c'est-à-dire que le bord est bien plat. Et en regardant le suivant, on se rend compte qu'il a une légère boursouflure par rapport à l'autre. Ce condensateur-là pose problème. Donc on va changer ce condensateur. Le condensateur a été dessoudé. Là, on peut voir l'excroissance. On va replacer le nouveau condensateur que l'on va ressouder. Voilà, nous avons donc ressoudé le condensateur. Nous allons donc procéder maintenant à la phase de test. Donc avec le démarrage de l'ordinateur. Et voilà, l'ordinateur repart. Et donc vous pouvez bien identifier le condensateur qui a changé, vu que ce condensateur-là était bleu et donc maintenant il est noir. Voilà l'ancien et le nouveau. Donc tout ça pour vous montrer qu'on peut réparer une carte mère à faible coût. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous dis à bientôt.